Moi, je me balade au chantier M9 de Phuket. C'est un des chantiers qui permet de faire tous les travaux qu'il y a à faire sur un bateau. Et puis, il y a plein de bateaux à vendre. Partout, partout, il y a des bateaux à vendre. Le Corona a fait son œuvre dans cet endroit. Tic, tic. Ah, yeah, new one. Now, all new stainless. Yeah. Bon ancien axe. En ferraille, pur. Et nouveau. Nouveau. New one. Stainless. Ouais, il a bien bossé, ouais, super boulot là. Tout en inox maintenant. Voilà, tous les axes, il a tout changé, il a tout mis de l'inox. Et maintenant je vais sprayer l'anti-rouille. Attention. C'est la première fois que je fais ça. Bon, ben, une première couche. On va laisser sécher un petit peu, je remettrai après, pour pas que ça coule. Hein? Les coulures, c'est vilain. C'est beau! Ah voilà, la porte du frigo, elle est finie. Toute belle peinte. Ben, je suis en train de tout remplir les documents pour faire notre entrée aux Maldives. Là, il demande plein de papiers. Puis là, on passe par un agent, donc je dois tout lui envoyer les papiers avant qu'on parte. Ils veulent la date d'arrivée. Ben, on sait approximativement quand on va arriver, mais on ne peut pas donner de date. Pas mal de documents qui nous demandent pour le Covid. Mais non, 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 non. Vous étiez où les derniers... Les derniers 30 jours, ben on était sur le bateau, donc le problème est assez vite réglé. Il demande pas, ouais, bon, ben bien entendu, tous les documents du bateau, tout ce qu'on a à bord, la liste des médicaments. Qu'est-ce qu'il nous demande si on a des objets de valeur, des ordinateurs, laptop, enfin oui, laptop, ordinateur, caméra, toutes ces choses-là, il veut savoir ce qu'on a. Et puis, ben, on va renvoyer tout ça avant de quitter notre coin ici. Et puis, comme ça, on pourra faire d'autres entrées simplement en arrivant. Voilà. Ben, on est au programme de la journée. Ouais. En gros, on a besoin de quoi? À 3 jours de notre départ. 3 jours du départ, ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Il faut qu'on passe chercher tes lunettes au central, ouais. Ensuite, passer au magasin. Toi, il te faut des médics aussi là-bas. Ouais, médicaments. Puis peut-être s'ils ne me donnent pas les médics contre le palu, il faudra aller au Mission Hospital. Ouais. Et puis après, on ira à Super Chip acheter de l'alcool. Un kitchen noir encore entre deux. Une bouteille de gaz. Qu'est-ce qu'il nous faut là-bas? Ah, le petit truc en. Ouais, je vais pour si faire je, les gâteaux je là. Voir si je trouve cette feuille qui pourrait remplacer le papier sulfurisé. Ouais. Donc ça se lave et ça se récupère, ce serait beaucoup plus pratique. Ouais. Donc on a tout ça à faire. Et puis on a 3 heures pour faire tout ça, hein. C'est time chrono. Oui. Parce que. Après, on ne peut plus revenir, la marée sera trop basse. La marée sera trop basse, on ne pourra pas mettre les dingues. Alors go, c'est parti pour l'avant-dernier jour de course. Ouais.
parce que mercredi, ça sera le frais. Le frais, fruits et légumes. Oui. Après, on essaye de se faire une journée de repos avant de prendre la mer. Jeudi. Jeudi, repos, et vendredi, on part. Oui. Là, ça se précise sérieusement. Voilà, donc juste avant les produits frais, on a fait les produits liquides. Ouais. Hein? Oui. Bon, on aurait été à Langkawi, qui est une île hors taxe. On aurait pris le double. Ouais. Ça faisait un peu cher. Ouais. Donc, ouais, on se contente de ça pour la traversée, hein, voilà quoi. Et plus s'il en reste quoi. Et puis on a aussi acheté pour faire un petit cadeau à nos amis de Sagarani. Alors, ça c'est pour Claire, et ça c'est pour Jonathan, parce qu'il lui pique tout le temps ses cuillères à café, alors elle en avait plus, alors je lui ai racheté des petites cuillères à café, puis les plastiques ça sera pour Jonathan, hein, t'as compris? Ben oui, j'ai qu'à terre, faut bien faire la lessive de temps en temps, quand il y a beaucoup, ma petite machine, là, c'est pas assez. Il n'y a plus qu'à étendre le linge maintenant. Tu m'aides? Ouais. Alors là, on est en préparation pour notre bidon de survie, ou grab bag en anglais. Donc voilà, là il y a des réserves d'eau, donc il y a un peu de réserve de nourriture, boîte de thon, petite saucisse, trousse médicale, jumelles, lampe torche, VHF, pile de rechange, couteau, éponge, kit de pêche avec du fil, des hameçons et des leurres. Du lait en poudre, des lunettes de soleil de rechange, protection solaire, protection anti-moustique, on sait jamais. Et puis ça c'est avec un vieux rideau, j'ai fabriqué un anti-moustique pour ça peut faire filet de pêche aussi. Hein. Casquette et vêtements chauds. Et une pompe au cas où il faut regonfler le dinghy. Donc ça rentre là-dedans. Ok, bon c'est 30 litres. Tout a passé dans notre bidon. Non, il n'y avait pas de balise, mais simplement c'est que la balise, on l'a sur notre gilet de sauvetage. Ben voilà, tout est ok. Lui, il sera prêt et être largable en même temps que le radeau de survie. Ouais. Fruits et légumes et viande. C'est parti pour 10 jours de navigation. Oh,
s'attaquer à du tout gros, tout gros, tout gros.